Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va checker le nouveau son de Fjordbjørk qui est sorti hier. Ça s'appelle Attiéké Goman. Je sais pas si on dit Goman ou Goman. Donc voilà, restez calme avec moi s'il vous plaît. Je sais qu'il y en a qui rigolent beaucoup dans le bus avec mes prononciations au niveau des mots, etc. Des titres et tout. Restez corrects s'il vous plaît les gars. Ne me chambrez pas trop. En même temps vous avez raison parce que ça doit être quelque chose quand même quand vous entendez ça. Bon, trêve de plaisanterie, on va checker ça. Fjordbjørk, son nouveau son. En hommage à notre recette locale communément appelée Garba. J'ai déjà entendu ce nom ça plusieurs fois, même souvent. Et retrouvez ma dernière sortie sur ma chaîne YouTube et les plateformes de téléchargement. Ok, réalisateur Lodi Black, on ne connaît pas. Monsieur qui a la prod, c'est pas grave, on y va. Voilà, dédicace à tous les Aoucha, dédicace à tous les volets, les gabas, dédicace à les Oula. Ce garçon il aime la nourriture hein. Il aime beaucoup la nourriture ce gars hein. Ah mais je vois c'est qui lui là. J'ai déjà vu non. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu dans un truc de TikTok ou je sais pas ou ailleurs. Non. Peut-être c'est un autre. Regarde le flow qu'il prend, comment il... Wesh, comment il a pris le flow. Je jure, il prend. Je jure, ce gars-là, il aime trop la nourriture, ce gars. C'est bien, il met en avant la culture. La culture dans ses clips qui ne sont pas forcément mis en avant par d'autres. Changement de prod à droite à gauche. On connaît comment Fjordbjørk y joue. Hein. Je te jure, il est fort quand même. Regarde comment il est. Wesh. Au calme. Je jure, il y a des trucs, des fois, tu comprends même pas ce qui se passe dans le clip, mais tu regardes comme ça. Faut pas mettre les mains, d'accord, ok. Il donne les conseils carrément, les tutos cuisine carrément. Carrément. C'est Goman. C'est pas Goman. Faut pas mettre in, faut pas mettre piment. Je sais pas c'est quoi in, mais piment ça peut être dangereux, c'est vrai. Ah, il se régale le petit. Hein. Ah, le petit là, il est en train de défoncer l'assiette, gars. Il a même pas le temps de placer des expressions de visage carrément. Fjordbjørk, on le connaît, on sait comment il joue. Bon, après là, c'était pas hyper hyper rap, hyper truc, tu vois. C'était plus un petit son, tu vois, pour ramener sa folie, quoi. Même si la prod elle était un peu, était plutôt rap. Il a ramené un peu de flow, tout ça, etc. Bon, il a pas kické ça comme jamais, tu vois. Il y a de la sonorité, il y a de l'ambiance. Il répète pratiquement la même chose sur tout le titre, je crois. On n'est pas loin, donc ouais, bon, ouais, c'est du Fjordbjørk. On l'aime aussi pour ça, donc voilà, il a plusieurs cartouches à son pistolet, on va dire. Et voilà, bah écoute, sympa de voir un peu cette culture, cette cuisine, etc. Tu vois, le petit là, le petit assis là, il était
Il était en train de dévorer l'assiette, mon gars. Je te dis, il n'a pas eu le temps de placer des expressions de visage, le petit. Tellement il était concentré dans l'assiette. Comment je vais terminer ça? Il faut que je termine vite. Là, ils sont en train de me prendre le temps. Ils sont en train de me filmer comme n'importe quoi. Je te jure. Je te jure. Bon, en tout cas, voilà. Fjord de Björn, on le connaît. Il fait ses trucs aussi comme ça. Donc voilà, ça amène une bonne ambiance. Ça amène un côté positif. Ça ramène un peu de changement aussi au niveau musical. Donc voilà, après, forcément, il y a beaucoup de gens qui vont pas forcément adorer. Peut-être qu'ils vont chercher la musicalité de ce garçon ou bien chercher d'autres délires. Et voilà, il est parti dans un autre délire encore. Après, voilà, c'est pas ce que les autres feront. Donc voilà, Fjord de Björn, il est là pour ça. Il est là pour amener ce que les autres ne font pas, on va dire. Et tout en gardant quand même un peu de qualité quand même. La prod était pas trop mal quand même, franchement. Il y avait une belle ambiance, petit changement de prod, des petites vibes comme ça, des petites ambiances traditionnelles en même temps, etc. Ah, c'est Fjord, c'est le F2B, le F2B, le Fjord. Commentaire, merci pour cet hommage à cette communauté qui fait la joie des Ivoiriens, contribue au système économique du pays. Force au Haoussa. Fjord est un artiste énergique et monumental. Donnez de la force à nos artistes. Fjord, keep going. Voilà l'homme, je jouerai cette musique chaque soir dans ma voiture. Trop d'énergie dans ce morceau. L'énergie de ce garçon, il faut le rappeler. Ce gars-là, il met de l'énergie à chaque son. Même si c'est pas un son rap, même si c'est pas un son pour aller tuer les numéros 1, les singles, les trucs et tout. Il met de la bonne bienveillance, de la bonne énergie, un bon truc à chaque fois qu'il fait un truc, ça c'est cool, tu vois, il fait un bon clip et tout. Il fait pas des vieux clips, tu vois, il fait vraiment des clips intéressants, tu vois. Même si c'est pas forcément une musique que, tu vois, tu vas saigner comme jamais, sauf ceux qui se reconnaissent évidemment dedans. Mais voilà, au niveau musicalité, il y a quand même quelque chose, tu vois. Après, voilà, c'est chacun a son... À comment voit Fjord de Björn. Parce qu'il le voit, bon, c'est le gars qui délire. Ah, c'est le gars qui envoie des gros sons. En même temps, il blague. Il y a plusieurs types de gens qui vont qui sont dans chaque catégorie de est-ce que on aime Fjord de Björn pour ça, etc. Mais en tout cas, voilà, moi je respecte beaucoup ce gars. Il ramène de la bonne humeur, de la positivité dans ce game. Et en même temps, il arrive à calmer les gens facilement. Des fois, il fait des trucs, laisse tomber. Déjà, son Nyomi Ele avec Niska, là, va voir les millions de vues que ça a fait, gars. Il n'y a pas beaucoup qui arrivent à faire ça. Il n'y a pas beaucoup. Le mec, il est arrivé comme ça, tranquille. Tranquille, au calme, il balance ça, remix, hop, allez, Niska, ramène. Allez, laisse tomber. Je suis pas très fan du son, mais j'apprécie, j'encourage la créativité et la volonté manifestée de varier. Exactement, je suis pareil. Un trop bon beat pour ça, Fjord, j'ai mal, force à toi. C'est vrai que la prod était quand même pas mal pour faire ça. C'est vrai. Le mec, il a mis j'ai mal avec un émoticône qui pleure en souriant. C'est vrai que je suis d'accord, il aurait pu tuer le game avec un petit son comme ça. Ça, c'est un son de demain au festival Garda de Korogo. Bonne et heureuse année à vous d'avance, que Dieu nous garde. Exactement. Ouais, pour tous ceux qui nous regardent, bonne. Et non, on dit pas, j'ai pas l'habitude de dire, mais en tout cas, passez de bonnes fêtes, etc. Soyez avec la famille, les proches, etc. Régalez-vous, prenez soin de vous. Faites attention à la santé, faites pas de bêtises, l'alcool, etc. N'abusez pas. Il faut que tout le monde soit encore sur... Sur la chaîne pour profiter de l'année 2023, il va falloir attaquer fortement. Donc voilà, en tout cas, je veux que tout le monde soit présent pour 2023. Il n'y a pas d'absence, il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de ligaments croisés ou je sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas d'excuses. Tout le monde va être là et voilà, faites attention à vous évidemment. Voilà, petite dédicace à tous ceux qui vont sortir, boire un peu, etc. Déconner, etc. Calmez-vous. Allez doucement. J'imagine même pas ce que Fjord a prévu, ce garçon. Tu vois déjà ses clips, ses sons, etc. Je n'imagine même pas ce qu'il compte faire. Après, souvent, les gens qui sont comme ça sont souvent l'inverse à l'intérieur. Prêt à voir comment il est, ce garçon. Bon, la prod est incroyable. Le clin d'œil à tous les vendeurs de Garba. En fait, c'est pas le son qui me fascine, c'est la cible qu'il vise, qu'il met pas. Il est stratégique, Fjord. Je suis fan, sinon le beat est très hard également. C'est du lourd. Bah, moi, j'aime bien ses sons. Il y a de l'ambiance de fou. Force à toi, mon Mogo. À ticker, waouh, belle réussite, c'est la force, c'est la cote qui gagne. Force à toi, Idos, c'est tuerie vraiment. Bon, écoute, on a fait le tour, hein, donc toujours autant de respect pour ce garçon. Il arrive à aller chercher
d'autres communautés, d'autres sujets, d'autres choses qui intéressent tout autant les gens, tu vois, mais que les gens ne vont pas aller, tous les artistes, les rappeurs ne vont pas aller toucher, peut-être une petite lyrics à droite, à gauche, mais pas plus, quoi, tu vois. Le gars, il est prêt à aller sur le terrain, à aller rapper le sujet, montrer, mettre en valeur le tout. Franchement, respect. Donc voilà, à tous ceux qui se reconnaissent dans ce clip, force à vous. Et voilà, prenez soin de vous, faites attention. Et commencez bien l'année 2023 quand même. Et donc, je sais pas si je vais faire des vidéos d'ici là. Et voilà, faites attention et voilà, au calme. On se quitte dessus, je vous dis à la prochaine et ciao, ciao.